Hello, salut tout le monde, bienvenue sur Chocozoka. Alors aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour faire un unboxing de chips au fromage Dragon Ball Heroes 4. Alors j'avais déjà fait avec Max, me semble-t-il, la série numéro 5. Sauf que cette fois, on a acheté un carton complet. Alors je vous épargnerai les déballages, mais en gros, voilà tout ce qu'on a récupéré en mangeant les chips. Et je vous ai gardé un papier complet pour voir ça en détail. Donc, je pense qu'on va avoir toute la série complète. Je ne sais pas combien il y a de cartes en tout. On va voir ça en détail. Allez, c'est parti. Donc, nous voici pour ouvrir les paquets de cartes de Dragon Ball Heroes. Alors, c'est Snacks numéro 4. On avait déjà fait en fait la version 5. Je mettrai une petite fiche en haut à droite de la vidéo. Là, on est sur le 4, donc la série d'avant, évidemment. On a acheté un carton complet, donc en fait, on a décollé à l'avance toutes les cartes des paquets de chips. Et en fait, il n'y en a pas autant que ça, hein. Donc il y en a 3, 6, 9, 10, 11. Il y en a à peu près une petite douzaine, hein. 3, 6, 9. Il y en a même que 11 avec une seule super rare. Alors, de souvenir, je me souviens, quelqu'un m'avait laissé un commentaire. En fait, ce sont des rééditions, ces cartes-là, mais bon, c'est pas grave. Là, de toute manière, on est sûr d'avoir le display. Je ne sais pas quelles sont les cartes. Quoi qu'il en soit, je sais que la super rare, c'est celle-ci. Donc, on va pas trop regarder pour pas se spoiler. Donc, là, le paquet, on va éviter de pas trop le manipuler parce que voilà, vous aurez compris le bruit. Donc non, ce n'est pas périmé, vous voyez, c'est pas parce que c'était la saison d'avant que la date était périmée. D'ailleurs, franchement, ces petites chips là, c'est vraiment pas mal. C'est une petite dose, c'est bien pour l'apéro. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller celle-ci. Promis, je ne vais pas manger les chips en vous faisant l'ouverture des cartes. Je me garde ça pour tout à l'heure. Alors, voyons en détail le booster. Donc, booster Dragon Ball Heroes slash DBH. Bon, bah, ça, c'est très classique. Avec la setlist de toutes les cartes. Donc, là, on a en tout 19 et 1, 20. Donc, c'est parti. On va les ouvrir une par une. On va éviter de se spoiler. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, à mon avis, toutes les ouvrir et après on va regarder ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas ou oh, je sais pas. Je sais pas. On va voir déjà. Oh là là, une dose. Voilà. On va déjà faire cette série-là. Allez. Donc Dragon Ball Heroes, hein, franchement c'est une belle découverte ces cartes-là parce que elles sont juste magnifiques. Alors, on va les faire une par une, hein, quand même. Donc là c'est un Kaioujin avec Sangoku. Alors je ne connais pas les noms. En plus dans Dragon Ball Heroes, il y a je ne sais pas combien de personnages. Alors si vous voulez me donner les noms, moi franchement ça m'aide parce que j'ai beau regarder Dragon Ball Super, hein, en ce moment, il y a plein de personnages. Je ne sais pas d'où ils sortent ni dans quel OAV ils étaient. Alors, ensuite, on a un petit dragon. Qu'est-ce que je raconte, moi? Un petit. Hop là, allez, mise au point, focus. Ah oui, un petit Sangoku. Bon. Ah oui, je suis loin d'être incollable sur Dragon Ball, hein. Franchement. Là, Dragon Ball Super avec le nouvel arc avec Black Goku, ça a l'air sympa. D'ailleurs, dites-nous, hein, si, enfin, dites-moi si dans les commentaires, enfin, dites-moi dans les commentaires si vous regardez cette série-là. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire, oh, je suis en train de découper la carte ou quoi là? Non, le fail. Ah non, ça va. Bon, je vais le faire comme ça parce que. Ah. Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous regardez Dragon Ball Super.
Alors, elles sont super rigides ces boosters. Alors là, on a Trunk. Ouais, sympa Trunk. On continue. Enlever les ciseaux. On peut le faire peut-être sans les ciseaux. En tout cas, les cartes, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Même si ce ne sont pas des cartes super, je trouve que les illustrations de base, elles sont très très belles. Très 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 belles même. Je n'y arrive pas sans les ciseaux. Et quand je prends les ciseaux, je découpe les cartes. N'importe quoi. Ah là là, je suis un gros boulet des fois. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous. Alors, quelle est cette carte? Mais je lutte avec un booster d'une carte. Allez! Ah, quand même. J'ai défoncé la carte. Sauf c'est la super rare. Bon, bref. Sangoku, donc apparemment on est très Sangoku là, hein. On a Sangoku là, Sangoku là, Sangoku là. En plus Sangoku. Ah non, c'est pas Sangoku, à moins que ce soit Goten. Ah, je sais pas. Bah dites-moi, tiens, si c'est Sangoku ou Goten. Alors là, j'ai un doute, parce que l'uniforme. Je sais pas. En tout cas, on a trois fois le même personnage. Bon. Pour le moment, pas de double. Bon, ça ne saurait tarder. Hein. Alors, Sangohan avec un Nozaru derrière. Ah, sympa. Sympa. Alors. Alors, il y en a 11. Pour le moment, on en a déjà 5. Bon, de toute manière, si on a la liste complète, elles seront à échanger avec vous. Hein. Ah, bah là, voilà, la super rare. Ah, franchement, j'adore cet effet. J'adore cet effet holographique avec les petits triomphes de partout. Franchement, elle est magnifique, cette carte-là. Voilà, mise au point. Franchement, tout simplement, waouh. J'adore. J'adore. Oui, je disais, si vous voulez échanger les cartes Dragon Ball Heroes, comme là, de toute manière, je vais certainement avoir toute la série, bah, moi, je suis prêt à faire des échanges avec d'autres séries. Hein. C'est bien évidemment tout à fait possible. Vous me laissez un commentaire ou un message privé sur Facebook ou sur YouTube, évidemment. Et puis, on peut s'arranger pour faire des échanges de cartes. Alors, une double, bon, ça commence, c'est un peu normal, on arrive bientôt à la moitié là. Alors, Max n'est pas là pour me dire à combien de boosters j'en suis, faut que je fasse tout en même temps. Alors, un nouveau double, peut-être que j'aurai la super rare en double, bah, comme ça si vous voulez l'échanger. Pas de soucis. En tout cas, moi, je suis à la recherche de cartes Yo-Kai Watch. J'en ai quelques-unes à vous montrer, à vous déballer. Ah, bah voilà, une super rare en double. Excellent. Bah voilà, je l'ai deux fois, donc n'hésitez pas. Oui, donc Yo-Kai Watch, One Punch Man, il m'en manque trois des cartes. Laissez-moi un petit message si jamais vous avez des cartes One Punch Man en double. Moi, je suis intéressé. Et j'ai aussi des cartes Pokémon. Mais bon, Pokémon, c'est pas trop mon rayon. C'est plus Maxime qui fait ça. J'aime bien regarder. Mais je connais pas assez bien. Donc, encore un double. Bon, ma foi, on va avoir que des doubles. Pour le moment, on a que 6 cartes différentes. Et il nous reste encore tout ça. Bah, peut-être qu'on va avoir deux fois le full set. Ça serait sympa. Comme ça, je pourrais échanger un full set contre un autre. Alors, pour le moment, hein, on n'a pas de Vegeta ni quoi que ce soit. On n'a pas beaucoup de personnages différents. Bon, bah, on continue dans les doubles. Alors, là, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 9.
Alors, j'ai l'impression que dans un carton complet de 20 paquets, il y aurait peut-être deux fois le full set. Donc là, on va peut-être commencer à avoir les nouvelles cartes. Eh ben non, toujours pas. Ça se tend, ça se tend. Ah là là. J'avais pourtant acheté un carton complet. Bref. Plus de chances d'avoir un full set quand on achète tout le carton. Ah voilà. Un petit piccolo. Ah, très très joli le petit piccolo. Pas de reflet, hein, c'est une carte commune. Mais c'est pas grave, c'est quand même une chouette carte. Alors on va essayer de les mieux positionner, comme ça vous pouvez les voir en fond. Alors, on continue. Je pense qu'on est bon pour le full set. Au pire, on aura deux fois la super rare, c'est pas grave. Ah, ça fait... Eh ben voilà, encore un double. Allez, là, un petit coup de chance pour le finish, bientôt. Oh, cette colle, c'est terrible. Au moins, une fois que j'aurai terminé de déballer cette carte, je vais manger le dernier paquet de chips. Parce que j'en avais envie, je l'ai regardé depuis quelques jours. Oh, bah j'ai trois fois la super rare. Ah bah alors, s'il y a des gens qui veulent l'échanger, pas de problème. Trois fois la super rare. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir le full set. Hein. Parce que dans le full set, il y a quoi? Il y a que des cartes communes. Ouais, que des cartes communes. Bon, bah d'accord. Hein. Alors, si j'ai de la chance, j'ai une différente à chaque booster. Et j'ai le set complet. Alors, c'est parti. Vous aurez reconnu la musique. Eh ben non, je n'aurai pas le full set complet. Donc, triple. Il ne me reste plus que 4 boosters. Mais c'est pas grave, les cartes Dragon Ball Heroes, elles sont tellement chouettes que bon, au moins on a plus de chances de pouvoir les échanger. Je trouve ça d'ailleurs nettement plus beau. Eh, mais c'est pas possible, je suis abonné aux cartes super rares. Bon bah c'est la quatrième super rare que j'ai. Bon, pourquoi pas. Ouais, les cartes Dragon Ball Heroes, elles sont tellement plus belles que les Dragon Ball IC Cardass. Franchement, les IC Cardass, c'est un peu une blague. Alors oui, le jeu, il est sympa. Mais franchement, les cartes, je trouve ça dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire, d'ailleurs, parce que... Oh, c'est pas possible. Encore un triple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les IC Cardass, c'est un peu décevant. Un peu décevant le look. Bon, c'est vrai que les cartes leaders elles sont jolies, mais bon, ça s'arrête là quoi. C'est pas extraordinaire. Hein. Alors, vais-je avoir de nouvelles cartes? Je sens un double encore. Oh non, c'est pas possible. 4 fois la carte. Attends, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait 11 cartes différentes. Et ben. C'est râpé, c'est pas grave. C'est pas grave, donc la dernière. En tout cas, elles sont toutes à l'échange. Les doubles, les triples, et même les quadruples. Alors, la dernière. Est-ce que ça va être une carte super rare? Franchement, ça me ferait bien rire. Non, ça n'a pas l'air d'être une carte super rare. C'est encore une carte. Bon, bah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas pu avoir le full set, mais c'est pas grave. Je m'en sors quand même avec 4 fois la carte super rare. Bon bah, si vous voulez faire des échanges, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous me dites ce que vous avez, et puis on s'arrange en message privé, sur Facebook, sur YouTube.
En tout cas, j'espère que ce déballage vous a plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à nous dire ce que vous aimez comme carte. Est-ce que vous avez cette série-là? Si vous avez, par exemple, la série qui nous manque... Alors, je vais mettre ça à l'écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec les reflets. Là, ouais, ça a l'air d'être bon. Bah, dites-nous, en fait, quelles sont les cartes qui me manquent et comment elles sont. Parce que j'ai pas trouvé encore de site aujourd'hui qui liste en fait toutes les cartes Dragon Ball Heroes, même sur le Dragon Ball Cardass DBH là. Bah, j'ai pas trouvé cette série là parce que apparemment les HJ et les HGD1, bah, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc si vous avez des renseignements complémentaires, en tout cas je suis preneur. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao ciao, bye bye.